famille, composée de 3 personnes, part aux États-Unis et c'est peut-être la chance de leur vie. Il y a le père qui s'appelle Hector, qui est universitaire, professeur de philosophie et poète. Sa femme, Sylvie, qui se définit comme la femme d'Hector, et ça lui va très bien. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Et leur fils, le fils qu'ils ont ensemble, Lester, qui est un adolescent de 14 ans. Ils partent aux États-Unis parce que le père a été nommé dans une université, donc en Caroline du Nord. Et ça va être l'occasion pour eux de suivre un parcours auquel ils ne s'attendaient pas du tout. De découvrir des choses que peut-être ils auraient préféré ne jamais découvrir, mais peut-être aussi que ces découvertes vont être salutaires. Et on va suivre leur itinéraire sur une période qui pourrait durer 1 an, qui va peut-être durer un peu moins. Et c'est l'interaction entre ces 3 personnages, leur milieu, la France vue des États-Unis, les États-Unis vus depuis la France, et tout ça se passant durant une année qui est charnière et pour la France et pour les États-Unis, puisque c'est l'année 2015, l'année de la vague d'attentats à Paris et l'année qui a précédé l'élection de Trump aux États-Unis. Il y a un mélange entre l'intime et l'extime, mais ça c'est l'histoire de nos vies à tous. On vit à la fois notre petite vie étroite, secrète, et puis en même temps on est mélangé avec le monde et ce qui s'y passe, et on ne peut pas mettre de barrières. On voudrait parfois mettre des barrières et arrêter l'envahissement du monde, mais il ne s'arrête jamais. Donc le mélange des deux, il est tel que dans nos vies, où tout est mélangé. Maintenant, moi j'aime bien travailler avec des archétypes et les décaler légèrement. Par exemple, quand on peut dire que Sylvie est une femme au foyer, en fait c'est une femme qui n'a pas de métier. Mais c'est pas vraiment une femme au foyer, vu que dans son foyer elle ne fait rien. Elle ne fait pas la cuisine, elle ne fait pas le ménage, elle ne sait pas faire grand-chose en fait. Et elle est surtout dans une immobilité, une inaction, qu'elle revendique d'ailleurs, qui sont très importantes pour elle. Et elle est l'espèce de fétiche de son mari, qui lui aussi est une sorte de cliché, un archétype, puisque c'est le professeur brillant, qui en plus étant français, arrivant aux États-Unis, devient la coqueluche des femmes, mais qui en même temps est beaucoup plus fragile qu'on ne le pense, puisque il est totalement attaché et dépendant de cette femme qui a l'air d'être dépendante de lui. Et quant à l'adolescent, Lester qui a 14 ans, ça pourrait être le cliché de l'adolescent, branché sur ses écrans, son téléphone portable, les réseaux, les jeux vidéo, etc. Et en fait, il vit quelque chose de totalement à côté, à contre-courant de ce point de vue-là. Donc c'est aussi le fait de les décaler comme ça par rapport aux clichés, tous ces archétypes, c'est aussi lié à l'interaction qu'ils ont avec ce qui se passe dans le monde au moment où je les surprends dans leur vie. La distance était très importante et elle a été un choix d'emblée. C'était à la fois une façon pour moi de choisir un angle qui était une extrapolation de l'angle au moment où j'ai vécu les attentats. J'étais à Paris, mais je n'étais pas, heureusement pour moi et heureusement pour les miens, dans les massacres. Je n'ai pas été touchée physiquement, même si j'ai été comme tout le monde très affectée psychiquement. Et donc cette distance qui était la mienne et qui a l'air petite mais qui est infinie entre quelqu'un qui a subi une tragédie pareille et quelqu'un qui n'en a été que le témoin, la distance est immense. Et donc moi, pour moi, la distance, la seule distance respectueuse par rapport à cette réalité pour la palper, c'était de mettre carrément des milliers de kilomètres entre mes narrateurs, enfin mes personnages et l'événement. Et puis il y avait aussi la volonté, pas seulement de parler de la France à ce moment critique de son existence, mais de regarder la France de loin pour arriver à mieux la voir, puisque pendant qu'on y vit, pendant qu'on y est, on n'a pas le temps de la regarder, comme souvent, à cause de l'habitude, à cause du train-train, etc. Et donc pour moi aussi, exiler mes personnages, c'était aussi une façon de jeter un regard sur la France qui était plus apaisé et peut-être plus précis qu'il ne l'aurait été si j'étais restée sur le sol français. Alors l'Amérique de près, c'est lié aussi à l'époque.
et un questionnement sur, sur l'ailleurs. L'Amérique, quand on dit l'Amérique, il y a sa réalité géographique, et puis c'est aussi une métaphore. Quand on dit l'Amérique pendant des années, et pratiquement depuis sa création, ça a été la terre de tous les possibles, la terre de fuite. Quand on avait fait une bêtise en Europe, on pouvait fuir en Amérique pour se racheter. Quand on n'avait aucun argent ici, on se disait, ben, je vais faire fortune aux États-Unis. L'Amérique, c'était l'Eldorado, c'était l'ailleurs aussi. C'était, quand ça n'allait pas, on pouvait toujours se dire, bon ben, pour s'en sortir, on ira là-bas, ce qui a été le cas de beaucoup de personnes qui ont échappé, par exemple, au massacre, là encore, qui ont eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de gens qui ont échappé se sont échappés en allant trouver refuge en Amérique. Donc l'Amérique, c'est tout ça. L'Amérique, c'est l'ailleurs. L'Amérique, c'est là où ça se passe, là où c'est possible, etc. Et en fait, ces derniers temps, et surtout avec l'élection de Trump, cette Amérique se rabougrit, se rétrécit. Elle ne peut plus représenter cet autre lieu, ce lieu enviable, ce lieu de merveille, de réinvention, etc. Et je me disais, tiens, c'est assez étrange le monde dans lequel on vit. Il s'est rétréci parce qu'on connaît toutes les terres, parce que des images de l'Amérique, vous pouvez en trouver même sur votre téléphone en une seconde. Vous pouvez regarder des choses qui se passent là-bas de manière instantanée. Donc c'est plus si loin que ça. Et en plus, c'est un pays qui de tous les possibles, est passé à un renfermement sur lui-même, à un hyper-protectionnisme qui ferme ses frontières, qui les verrouille. Donc, qu'est-ce que c'est l'Amérique maintenant? Est-ce que c'est encore un ailleurs? Et qu'est-ce qui nous reste comme ailleurs, hein, si on veut partir?